Dans le sanctuaire du Dominus Flevit, les franciscains ont commencé le parcours des pèlerinages de carême. En passant dans les lieux saints, ils font mémoire des étapes de la passion de Jésus. Un cours pour les guides spirituels de Terre Sainte a réuni les commissaires de langue espagnole et portugaise dans un pèlerinage de 13 jours dans les lieux saints. Une école de dialogue interreligieux au Swedish Theological Institute de Jérusalem. Ce cours international accueille chaque année 15 étudiants venus du monde entier. Le 18 février a été présenté au Centre culturel Yabous à Jérusalem le nouveau livre du patriarche latin émérite Michel Sabbat. Parmi les participants, diverses personnalités de premier plan de Terre Sainte. Ce paysage est l'un des plus beaux de Jérusalem et aussi l'une des principales cartes postales de la ville. Ici, la ville sainte se dessine sous un horizon de toute beauté, infinité de couleurs et millénaires d'histoire. Cette vue des hauteurs de la ville a également été contemplée par Jésus alors qu'il s'approchait de Jérusalem quelques jours avant sa passion. Le sanctuaire franciscain du Dominus Flevit commémore l'épisode biblique où Jésus, submergé par l'émotion, pleura, bouleversé par le scepticisme de ceux qui ne l'avaient pas reconnu comme le Messie. « Ah, si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. » Suivant les pas de Jésus sur le chemin de sa passion, les franciscains ont commencé ici un parcours de pèlerinage. Comme de coutume, ils ont célébré l'Eucharistie dans ce sanctuaire, le mercredi après le deuxième dimanche de carême. Traduit du latin, « Le Seigneur a pleuré », le sanctuaire du Dominus Flevit est l'une des plus récentes églises de Jérusalem. Construite en 1955 par l'architecte Antonio Barluzzi, elle a la forme d'une larme pour rappeler l'affliction de Jésus après l'annonce de la destruction de Jérusalem et de la dispersion qui aurait lieu entre ses fils. Jésus a aussi prédit la destruction du temple en 70 par l'empereur Titus, exécuté par les troupes romaines. Dans l'église, l'autel rappelle la comparaison faite par Jésus lorsqu'il déclara qu'il avait tant de fois souhaité réunir les enfants de Jérusalem comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Le Dominus Flevit fut le premier sanctuaire visité par les franciscains pendant ce carême. Chaque semaine, une célébration se tiendra dans les lieux saints en relation avec la Passion. Une tradition vivante qui est née avec les chrétiens du 1er siècle. Nous continuerons ensuite chaque mercredi et nous irons dans d'autres lieux de Jérusalem, comme Gethsémani, la flagellation, en nous rappelant toujours le mystère lié à cette période particulière, la passion de Jésus et son sacrifice pour nous. Legati in questo particolare tempo poi alla passione di Gesù e al suo sacrificio per noi. Un sacrifice dont il est fait mémoire dans tous les lieux où Jésus a vécu et souffert, suivant comme une sorte de script pour bien vivre cette période de carême. Ce fut très émouvant d'être ici et d'imaginer Jésus simplement pleurant sur Jérusalem. J'imaginais les larmes de Jésus tomber et ce fut un moment très spécial pour moi. Nous sommes en carême et il est particulièrement beau d'être ici et de vivre ce moment. Jours en pèlerinage en Terre Sainte, du 8 au 21 février, avec des visites de sites bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament et des célébrations liturgiques dans les lieux saints. En outre, avec les principales activités prévues dans le cadre de ce cours pour guide spirituel de pèlerins, étaient proposées des conférences sur des sujets de théologie biblique et sur l'histoire de la custodie franciscaine, ainsi que des rencontres sur des sujets d'actualité ou sur l'organisation des pèlerinages. «
Étaient présents les commissaires de Terre Sainte d'Argentine, du Brésil, du Mexique, du Guatemala, du Panama, du Portugal et d'Espagne, et également un japonais, le père Atarashi, qui vit à Inkarim. Ce cours a lieu tous les 5 ans. Les frères qui sont guides en Terre Sainte ont à renouveler leurs connaissances parce que les études ici ne sont pas statiques, mais évoluent. La lecture de la Bible dans la théorie est une chose, mais venir ici nous permet de boire l'eau à sa source. C'est donc très différent. Beber água na fonte é bem diverso. Tem outro sabor. Outro sabor. Ce cours a été très important pour la spiritualité et la dimension politique de chaque lieu. La communion et l'échange d'expériences et de contacts entre les différents commissaires ont aussi été très importants. Le cours nous offre la possibilité de regarder d'une manière différente tous ces lieux et sanctuaires et aussi de rencontrer les pierres vivantes qui habitent en Terre Sainte. Tous sont d'accord sur l'importance de cette formation pour revenir aux racines de la foi, pour toucher les lieux de la rédemption. La Terra Santa per tanti cristiani significa un avvicinamento corporale e spirituale a Gesù. La Terre Sainte représente une approche physique et spirituelle de Jésus. Nous ne sommes pas faits seulement d'esprit. La foi ne se nourrit pas seulement du credo, mais aussi de nombreuses petites choses. Ici, en Terre Sainte, la piété populaire, la foi, l'archéologie, la théologie forment une unité vivante. Cela renforce la foi et nous aide à vivre avec le cœur, avec nos mains, avec nos pieds, avec tout notre être. Questo rinforza la fede e ci aiuta a vivere la fede col cuore, con gli occhi, con le mani, con i piedi, con tutto. Si certains des participants ont rejoint le cours pour la première fois, tous désirent poursuivre la formation afin de toujours mieux partager leurs connaissances avec les pèlerins. Tous sont convaincus que le pèlerinage représente une occasion importante pour la catéchèse et la dévotion. Entonces, el guía debe de estar preparado en todo, debe estar preparado. Les pèlerins écoutent et apprennent par la direction spirituelle. Celle-ci doit donc être préparée à tous les niveaux, intellectuels, mais aussi et surtout spirituels. Je crois que le pèlerinage en Terre Sainte peut être le voyage de notre vie, mais il peut aussi être un échec, et cela en partie dépend du guide. S'il est un homme de foi, il transmettra cette foi aux pèlerins par le contact avec les lieux. C'est pourquoi le cours de formation pour les guides spirituels est essentiel. Es fundamental. Entonces, eso depende en parte y en buena parte del guía. Por eso es fundamental la formación de un guía. La custodie de Terre Sainte fait connaître ses activités dans le monde grâce à l'aide de commissaires, les frères de l'ordre des frères mineurs, qui se veulent d'être des ponts entre la Terre Sainte et les chrétiens du monde entier. Ils ont pour première mission de faire connaître les lieux saints, de favoriser la dévotion et de soutenir le niveau de vie des chrétiens et les sanctuaires de la Terre de Jésus. Les commissaires organisent des pèlerinages à travers lesquels des milliers de chrétiens du monde entier visitent les lieux saints. Parmi leurs activités, ils promeuvent officiellement la quête dans leur diocèse pour la collecte pontificale du Vendredi Saint pour la Terre Sainte, qu'ils font parvenir ensuite à la custodie. Actuellement, les commissariats de Terre Sainte sont répartis dans 44 pays à travers le monde pour un total de 84 frères. Ils viennent de différents pays et continents, appartiennent à différentes confessions religieuses et ont chacun des professions et des activités variées. Tels sont les étudiants du cours international de dialogue œcuménique organisé par l'Institut suédois de théologie à Jérusalem, une œuvre qui travaille depuis 65 ans à construire un dialogue entre les différentes cultures et religions en y engageant aussi bien les communautés locales qu'internationales. L'Institut théologique suédois est logé dans un bâtiment qui existe à Jérusalem depuis 1951. Il vise à accroître le dialogue interreligieux dans la ville sainte parmi les personnes de confessions différentes, juifs, chrétiens et musulmans. Our main
activities are hosting. Notre activité principale est d'accueillir des cours académiques ayant un thème religieux. Nous mettons fondamentalement l'accent sur le dialogue entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. Nous avons des étudiants qui viennent du monde entier pour étudier ici, ce cours proposé par l'Église de Suède. Nous avons des cours suédois avec des élèves suédois, mais aussi avec des élèves venus d'autres universités du monde. Nous avons aussi des cours avec des diocèses différents, avec des gens qui viennent de paroisses suédoises, et nous accueillons aussi en ce lieu des groupes de dialogue locaux. People coming from Swedish parishes, and we host also local dialogue groups. Une douzaine de cours sont proposés. Parmi eux, un cours lancé en 1982 grâce à une collaboration avec l'Église de Suède qui accueille chaque année 15 personnes, dont des étudiants, des enseignants, des religieux et des professionnels venus du monde entier. L'idée est que les enseignants et les participants de différents pays et continents ayant été ici puissent rentrer chez eux et enseigner eux-mêmes ce qu'ils ont reçu à leurs étudiants et à leurs congrégations. C'est un programme pour lequel l'Église suédoise finance tous les frais. Ainsi, les institutions et les églises sont invitées à présenter des candidats. Puis, ensemble, à l'Institut théologique suédois, nous sélectionnons le groupe qui pourra venir ici. SDI, here in Jerusalem, we select a group. I'm sent by my school, my seminary, the Lutheran Theological Seminary. Je suis envoyé par mon école, le séminaire théologique de Hong Kong, pour assister à ce cours, le cours international, proposé à l'Institut théologique suédois. Je pense que c'est une belle expérience. Il existe de nombreuses interactions entre les élèves de différents pays et le parcours est fascinant. Il ne s'agit pas seulement d'une série de leçons, mais d'un programme constructif fait également de nombreuses excursions dans différents sites. So that we have a number of excursions to different sites. I'm here basically because of the nature of the course. Je suis ici essentiellement pour la nature de la formation qui vise la réconciliation entre les hommes et les femmes. Et en tant que pasteur, je pense que c'est une excellente initiative de venir voir comment je peux moi-même aider les membres de ma communauté à se réconcilier avec eux-mêmes et avec l'ensemble de la société. Cohabiter ici avec des gens de différentes confessions chrétiennes est une expérience unique. C'est vivre l'œcuménisme dans la vie quotidienne, ce qui est une expérience très enrichissante. D'un autre côté, pouvoir approfondir l'islam, le judaïsme et le christianisme ici en Terre Sainte, y vivre et y rencontrer des personnes, m'aide beaucoup à approfondir ma foi en tant que catholique pratiquante. The main purpose of the Swedish Theological Institute is to foster. L'objectif principal de l'Institut théologique suédois est d'apprendre aux personnes et aux étudiants à se rencontrer à travers le dialogue. Nous ouvrons notre jardin et nos portes à la rencontre pour essayer d'impliquer autant que nous pouvons les communautés locales et nous concentrer sur la façon de percevoir les autres et sur comment essayer de regarder les choses d'un point de vue positif, même si Jérusalem est la ville des conflits. And to try to look it from a positive perspective, even though Jerusalem is a city of conflicts. Et pourtant, le cours montre à lui seul comment le conflit peut ne pas avoir toujours le dernier mot. Pensée quotidienne de Jérusalem. Tel est le titre du nouveau livre de l'ancien patriarche latin de la ville sainte, Michel Saba, présenté ce jeudi 18 février dans le hall Marrakech du centre culturel Yabous. Étaient présents le professeur Samia Khoury et le docteur Nazmi Al-Joubi, professeur à l'université de Bir Zeit, ainsi que le gouverneur de la ville, Adnan Husseini, le directeur du centre Al-Lika, le père Rafik Khoury, et l'ambassadeur palestinien auprès du Saint-Siège, Issak Assassia. En premier lieu, les pensées que j'ai mises par écrit sont des pensées quotidiennes, une pensée chaque jour. En second lieu, le livre se concentre sur la charité, qui est la vertu de base du christianisme. Celui qui aime est chrétien, celui qui aime est un homme. Nous avons besoin d'amour dans tous les domaines, dans les relations avec les autres personnes, dans les relations entre les différentes religions et les différentes nations, et aussi entre les chrétiens eux-mêmes. «
De nombreuses personnes dans le public sont intervenues par diverses questions faites au patriarche, lequel a souligné qu'il avait décidé de rassembler ses propres pensées dans les pages d'un livre pour permettre aux lecteurs de les avoir à disposition et de revenir sur leur contenu et d'avoir un point de départ de réflexion et de méditation dans la vie quotidienne. هي خواطر أول شيء وخواطر يومية للبطرة كان يكتبها على الفيسبوك واللي بعدين انتشر. Les pensées quotidiennes du patriarche ont été publiées d'abord sur Facebook et se sont ainsi diffusées entre de nombreuses personnes, générant un intérêt très vaste. Les idées de Sabar sont très profondes et précieuses et invitent l'homme à être plus humain. Tel est le caractère distinctif de ce livre. Bien entendu, il n'est pas toujours facile de comprendre l'importance de ces écrits, mais je crois que, grâce à eux, l'homme et le monde peuvent devenir meilleurs. Sa béatitude parle toujours de la justice, de la paix et de l'amour. Il représente les souffrances et les sacrifices du peuple palestinien et défend ses droits à établir leur propre état, à ce que soient respectées leur liberté et leur dignité. Ses paroles sont entendues par toutes les générations. Nous voyons en lui un avenir, nous voyons l'espérance, l'amour et la rédemption, c'est un saint. وكلمته تسمع وستسمع للأجيال القادمة ونرى فيه المستقبل ونرى فيه الأمل ونرى فيه المحبة ونرى فيه الخلاص وهو القديس الحي. Dans l'introduction de l'ouvrage, le père Rafik Khoury affirme que dans ce livre, nous trouvons l'un des traits distinctifs de Saba, qu'il recourt à des mots directs, essentiels et sincères, exprimés par un homme qui sait ce qu'il dit. Mais aussi avant tout, le patriarche émérite de Jérusalem est un homme de foi qui suit les événements du monde et du Moyen-Orient en saisissant le sens profond. Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.